au service de la démocratie, la paix et du développement, est le leitmotiv sous lequel s'inscrit l'action de la Fondation Hans Seidel. Elle s'engage pour la promotion de la démocratie, de l'état de droit, de la paix et d'un développement économique durable. Nous sommes honorés que la Fondation Hans Seidel s'engage aujourd'hui depuis 30 ans dans la région du Maghreb. L'objectif du projet au Maghreb est de soutenir des activités de la société civile et des partenaires étatiques pour le renforcement d'un état de droit démocratique et la promotion des réformes de la structure administrative. Les droits des citoyens, la participation politique et l'inclusion sociale seront consolidés. تتواجد مؤسسة هانس زايدل في شمال أفريقيا منذ 3 عقود. مكتبنا هنا في تونس يشمل تونس والجزائر وليبيا. ويهمنا 3 محاور أساسية في نشاطنا. المحور الأول هو العلمي والمعرفي والتربوي. المحور الثاني هو السياسي والاقتصادي والقضائي. المحور الثالث هي منظمات المجتمع المدني. وهنا نركز على نشر ثقافة المواطنة الحرية المساواة الديمقراطية ونركز على فئة الشباب والشابات بالأساس. Ici au Maroc, c'est grâce d'abord à l'hospitalité marocaine et en même temps à la qualité, je dirais, extraordinaire de nos partenaires, c'est-à-dire de la société civile académique et des universités de l'État marocain, que le travail de la Fondation a laissé sans doute des traces remarquables, surtout dans le domaine de la promotion de l'État de droit, de la mise en œuvre de la régionalisation, et du développement humain et social. Ce projet englobe auprès du Maroc, la Mauritanie, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Pour la mise en œuvre de ces objectifs, la Fondation Hans Seidel coopère avec des organisations non gouvernementales, des unités de recherche universitaires dans les domaines juridiques, économiques et sociaux et des instances gouvernementales qui partagent les mêmes objectifs. Par leur rôle actif, ces partenaires favorisent la mise en œuvre de réformes renforçant l'état de droit, la démocratie et la décentralisation administrative.